la Kazakh Lessie. Il s'agit maintenant de Milo qui s'est rapproché. On est là également avec Amazon juste devant Grand Plumier qui ferme la marche de ce peloton. Les concurrents qui sont maintenant au début de la ligne opposée. Et on ne mollit pas en tête avec Eder qui a très librement l'avantage et qui réaccélère. Milo qui vient à sa hauteur. On est 5, 6, 7, 8 longueurs plus loin maintenant avec Eklan Chef qui va tenter de venir et de progresser juste devant Grand Plumier. Amazon est là également juste devant Judith Lester qui tente de regagner du terrain. Les concurrents sont maintenant en ligne opposée, toujours la même impulsion en tête, une allure très très vive avec Eder qui a toujours librement l'avantage avec Milo qui vient à sa hauteur. Les concurrents qui ont fait le trou, deux concurrents qui s'échappent en tête actuellement alors qu'on vient faire la jonction avec le peloton, avec Eklan Chef, avec notamment Amazon qui n'est pas loin du tout juste devant Grand Plumier, Judith Lester qui va tenter de regagner des rangs. Les concurrents qui sont à la mort sur le tournant final avec Eder et Jadondier à l'extérieur qui ont pris l'avantage avec Milo qui est bien calé dans son dos et qui attend son heure bien sagement maintenant en seconde position. On est en troisième position avec Judith Lester juste devant Eklan Chef, Amazon et Grand Plumier. Les concurrents débouchent dans la dernière ligne droite avec Eder qui est parti de bonne heure et qui a supporté le poids de la course avec Jadondier qui repart le plus bel côté corde. Milo est en seconde position. Les concurrents sont maintenant à moins de 200 mètres du disque final et on repart de plus belle maintenant avec Eder qui va s'imposer très très facilement dans cette épreuve, faisant impression aujourd'hui sur l'hippodrome de Rambouillet. Eder s'impose facilement, la seconde place pour Milo, la troisième place sera pour Grand Plumier et la quatrième sera la lutte entre Eklan Chef à l'extérieur et côté corde Judith Lester.